Merci pour garder ça rendez-vous avec l'équipe Sport SBC. Bienvenue pour suivre. On commence avec basketball, contre l'équipe Beauvallon Heat. Il prend bon avantage dans son rencontre semi-finale playoff contre l'autre équipe première division Bahia. Dans le premier match entre Sadé et l'équipe hier, Beauvallon Heat est remporté par l'écart 46 points. Bon détail, ce match avec Jose François. C'était bon commencement pour Bahia envers l'équipe capitaine Devoslin Juvesco. Après un premier quart, l'avait dit toute l'équipe a tiré de sa plus bon moyen pour être capable d'un petit peu contrôle de sa rencontre. Et l'équipe score les 6 partout pour l'entraîneur Roy Noël tout de suite est mort. C'est tout là dans l'esprit de relancer son équipe dans le jeu parce que pour lui peut-être pas tiré assez qui son équipe a tiré donné. Mais Bahia qui ne fait tomber un milieu Rockers, se triste bien dans le jeu. Là, score encore retour égal 10 partout. Quelque chose qui n'a bien souffert bon là dans les premiers 10 minutes de jeu, mais ça l'équipe blanc, ils y sont capables de coûter. Et là, ces autres qui y sont réussis un petit peu dans autres jeux, quand même si Bahia est là, tu mets un petit peu de pression. À cause après ça, là, quelque chose qui peut un petit peu dit même, score 18-14. C'était là le moment qu'il faudrait dire, là, Bahia est un petit peu quelque chose passé, mais quand même ça, Beauvallon n'a pas resté sa meilleure équipe. Là, à la fin, sa première 10 minutes de jeu, là, score un petit peu très pauvre. Beauvallon Heat qui devant 21, le 15. Et le score, tu les dis que Bahia est un tennis même si autres grandes joueurs, il parlait, fait un petit peu les autres de désavantages, mais Beauvallon Heat, tu as encore pu rester là, ces autres qui sont sa meilleure équipe, 28-23. Les 4 points, ils commencent à arriver à 5. Les 10 la Bahia, ils commencent à couler un petit peu dans les autres qualités. Les 10 la perdent un petit peu de concentration de l'organisation. Et tout de suite, ça raconte. Ils commencent à venir les affaires. Et sur le côté, les 10 blissent à l'excitation qui a commencé le comportement. Il a sa première semi-finale. Il vient les affaires sur le côté. Côté Beauvallon Heat, ces autres qui prennent le contrôle total. Côté Leroy, défense ni l'attaque Bahia, partie présente. Coordination, pas de ça dit tout pour ça l'équipe en vert. Alors, pour Benzuel, l'entraîneur Roy Noël, c'était joué et connaît qu'ils étaient capables de faire une différence. Là, ces autres qui mettaient un petit peu les autres qualités jouées, mais dit là, difficile à voir qui maille ça l'équipe en vert, tu es capable de ressortir. Après 20 minutes de jeu, score est 42 pour Beauvallon Heat, 27 pour Bahia. Le dit la Beauvallon, tu ne fais bien pour lui capable de mettre 21 dans sa carte. Bahia, tu mets seulement 12. Banjoel, l'entraîneur Grégoire Scolastique, tu ne vois les autres bloqués dans le jeu, pas capable de sortir. En plus, qui ça? Les autres types ont besoin de faire quelque chose de double parce que l'écart point type 15, alors ça brise le travail de l'équipe Bahia. Mais de l'autre côté, les qui Beauvallon Heat, ils sont restés les autres dangereux. Ces autres qui peuvent mettre beaucoup de pression sur l'équipe Bahia, qui faudrait dire, par l'un, c'est un état dangereux qui ne désorganise complètement. Parce que les autres pas de comprendre lesquels qui peuvent amener vous, lesquels qui peuvent vous inciter de façon. Là, simplement un Beauvallon, c'est la route, ça joue. Les autres tiennent simplement pour contrôle total. Beauvallon Heat restait sa meilleure équipe au cours de sa troisième score. Si tous les scores arrivent à 64-38, la team presque dit fini. Pas capable de voir qui m'a dit, Bahia, tu pourrais faire si vous avez envie de retourner dans sa jouer. Vous avez un petit peu parce que basketball est une équipe. Bahia, tu peux concentrer beaucoup de jeux au banc individuel. Beauvallon Heat, tu peux rester bien dans le jeu. Il fait 6 qui sa première semi-finale dans série 3. Il finit bien pour vous autres. Score 3e quart, il est 72-40. Là, dans 10 minutes de jeu, Bahia, il met seulement 13 points. Beauvallon, tu arrives 30. Veut dire là, c'est l'équipe qui est basée Beauvallon. Zota, tu n'es plus bien placé pour faire une différence dans cette rencontre. Déjà, le Sasko veut dire difficile pour voir qui maille Bahia pour retourner et aussi faire une différence peut-être pour être capable de prendre sa rencontre, sa partie dans la tête. Dito, tu n'as pas aucune façon, et là où tu as dit que Bahia peut essayer de retourner, Zota, tu n'es simplement tombé devant un Beauvallon qui t'a envie là à la plus loin de sa compétition, veut dire arriver dans cette stade finale. Il est score, tu arrives à 81-51. Ticler qui à présent dans l'esprit Beauvallon Heat, c'était target pour arriver à 100 points. Un premier semi-finale qui tout une bien commencé pour Bahia mais mal fini. Là de sa rencontre de sa quatrième quart, le basket Timmy Adam, là Beauvallon Heat y arrive à 100 points. Simon Zota maintenir pression, c'est Zota qui est sa meilleure équipe.
impossible de voir qui m'a dit Baya qui pour retourner. Là, ça l'équipe en veut. Il est vraiment perdu même, tombe de 10 même. Nous battons peut-être à cause d'un pétale, hein, mais seulement en général, nous tenons un plan joué qui m'ont pas trop satisfait, nous pas trop fait marcher sa plan. Mais mon quoi, next game, nous pouvons besoin de travailler avec Titello là. Vraiment pas comme ça qu'ils nous habitué à jouer. Malgré aujourd'hui, mon noir, eh ben, il y a premier half, le temps, le premier quota, deuxième quota. Après, il y a qui nous a deuxième, troisième quota, quatrième quota, pas nous. À cause nous pas encore dîner, nous pas bon des camarades, nous pas jouer à l'équipe. Et tant que nous peut donner bon là, nous peut donner nos opponents boule pour mettre score. Là nous pas peut défense, nous peut la guerre scoring, nous pas peut temporiser. C'est ma quoi nous on a défi ça à quantité point là nous. Dernier deuxième sauce, c'est deuxième semi finale. Well, supposé les 26, mais mon quoi il y a un bon peu homework pour nous à faire. Et I hope it's a better game than this one today. On peut passer que ça score, nous devons faire des 2-0. Nous ne pouvons pas le troisième game. Il y a un problème pour nous. Hein? Yeah. Et nous restons avec basketball même. Aujourd'hui, nous avons un seul match pour les hommes 2e division. Là, nous avons une victoire 74-57 pour Premium Cobras B, le MBU Boys. Et sa compétition continue demain avec encore 3 matchs. D'abord, 2-0 contre Femme, B-Challenge contre Hot Shots. Ça poursuivre avec l'autre match femme en Étoile Stars Montfleury. L'autre match demain est pour Bonhomme 2e division contre là l'équipe Beauvallon Buccaneers pour joindre Espoir United. On continue avec volleyball, résultat bon match ligue 2e division qui joue aujourd'hui. De deux matchs femmes tiennent victoire 3-7 l'ON pour Juniors le Saint-Louis Bombers. Et rencontre entre les deux nouvelles équipes, qui sont remportées par Sepel, qui bat Valley Volleyball Club par 3-7 l'OD. Après de bons matchs hommes, New Boys, Youth, ils battent Juniors 3-7-0. Et rencontre Outsiders, Saint-Louis, ils ont encore pesé en ce moment. Et bonne rencontre volleyball, ils continuent demain, toujours dans 2e division, Gymnase La Promenade. D'abord, 1h30, match femme, Breakaway contre Valley Volleyball Club. L'autre match femme, il y a parti 3-0 à Souyout contre St. Francis Sisters. Et c'est le match homme demain, il y a Waves Lads contre Racing Volleyball Club. Match qui commence à partir 5h. Nouveau football, Foresters est resté parmi mon équipe qui peut bien servir tournoi en préparation pour nouvelle saison pour tester l'autre équipe avant quelque chose de servir commencer. Hier, tient l'autre match contre Foresters, parti perdu. En effet, tu aussi, les autres meilleures victoires sa saison, les autres battent au cap 6 goals l'ON. Bonne préférence à match avec Vitana Gabriel. Après match draw 0-0 contre Saint-Michel vendredi passé, Foresters, les autres traditionnels verts, tiennent la recherche des autres deuxième victoire de sa tournoi en préparation pour une nouvelle saison. Et devant les autres, Tio Cap, l'équipe qui s'escalait pour qu'on fait aucune victoire et qui sortit à la recherche un premier 3 points. Mais ça, l'équipe en blanc pouvait azote derrière à peine 2 minutes de match, le temps qui tient en bonne combinaison entre Brandon Labrosse et Ryan Henriette et finition par Warren Melly, la Foresters qui devant un goal le 0. Tiens quoi, c'est bonnet pour au Cap capable si monte sa score. 7 minutes plus tard, Zot prend le temps et monte Zodi l'attaque. D'une balette, il joue un through ball pour Thierry Camille, qui pourra intercepter par keeper Kitson Cécile. Là, tenant demande pour un penalty, mais Zot demande qu'il soit ignoré par referee Eldrick Adelaide, qui tenant parfaitement raison. Et le contre-attaque qui te suit, c'est l'équipe Foresters qui pourra accorder un penalty, après qui keeper Savio Dinon y met Mili à terre dans le carré. Ticard zone pour sa goalkeeper. Et derrière boule, Brandon Labrosse pas fait aucune faute, il double l'avance son équipe. Sa l'équipe basée Montfleury est totalement en commande et se poursuit les autres dominations avec un troisième goal dans 17e minute. La scorer est encore Melly, ancien joueur Red Star Defense Forces, pour les autres entrer dans le vestiaire avec l'avance confortable. Dès deuxième la moitié, Foresters tient 22 points grandis autres l'avance, tandis que au cap autres type tape tout pour réduire score. La bonnet dans sa half, zot pour réussir dans zot mission. La tenant bon circulation boule et Thierry Camille pour battre keeper Cécile pour première fois dans sa match pour faire score li en le 3. De 3 minutes plus tard, Foresters tin devrait reprendre zot l'avance 3 goals, mais keeper dit donc il sorti à temps pour empêcher Brandon Labrosse faire plus dégâts.
Après tenant ça l'autre laissé dans 61e minute par Colin Francourt, la Seba qui sauve au cap. Mais dans 76e minute, qui peut dire donc il n'a pas aucun sens devant Warren Melly qui fait sa joie et complète son hat-trick. À sa stade, c'est presque dit victoire facile pour Foresters. Si tout le temps score, il y 59e minute, le free kick levé par Francis Nouris. Sa l'équipe en vert tenant encore le temps pour confirmer son victoire avec un 6e goal. Ça a intimité par Nelson Etienne. Donc, victoire 6-1, il fait que Foresters compte son deuxième victoire de sa tournoi à côté de défaites et qu'un draw. Mais vraiment, cette équipe pas mal. À part qu'il est à nous de finir, nous match avant. Nous quittons le même niveau. Nous bissons tout pour faire plus haut. Plus qu'il est possible qu'il nous capable. Continuer le même tempo. Tout coup. On a un nouveau management qui nous paye gros avec là. Doucement, nous pouvons améliorer quelque chose. Définitivement, pour les Foresters, sa saison, qui parmi les bonnes forces. Nous restons avec le football. Il y a un groupe, la compagnie privée, qui nous aide ensemble pour supporter l'équipe de football Côte d'Or, Champions League, saison passée. Parmi, il y a l'hôtel Legic de Pralin, qui nous donne un somme 100 000 roupies. À part de finances, Côte d'Or, nous aussi recevoir 7 uniformes et les autres équipements. Challenge après-midi, nous la plaine de Saint-Anne-Pralin, l'équipe football Côte d'Or, des sessions d'entraînement, pareil d'habitude. Les Sazou, bonne sponsors, Tila pour émettre cette donation avec sa club. Sa bonne sponsors, il donne sa l'équipe, sa quelle est cette uniforme, boule avec serviette. Parmi la compagnie Warren Electrical, Triple Two Car Rental, Kedis Car Rental, Côte d'Or Cars et Ocean Air. Bon, oui, qui nous est une petite communauté de Saint-Anne, nous basons de Saint-Anne. Nous comptons pour sponsor l'équipe de football et nous souhaitons qu'ils aient servi de bien, bonne cause. L'hôtel est Duc de Pralin, il n'a pas offert l'uniforme, mais donne 100 000 roupies l'équipe Côte d'Or. Propriétaire de l'hôtel, Robert Payet, il dit qu'il est autant qu'il est capable, il peut continuer à supporter sa l'équipe à cause de pas de sa bonne joie. Et il y en a l'amour pour le sport et il fait des autres businessmen de la communauté pour supporter le sport en général. Pendant Côte d'Or, le collègue a commencé à quelque chose. Pas arrêté. Déjà, si je m'arrête, mon collègue Côte d'Or pour probablement faire un voir. So, parce qu'il est malheureux qui dans la communauté, c'est bon, pas à tout. Pour pas grand-chose de monde qui commette export pour export, ou à beaucoup de teams, football, volleyball, whatever. Le struggle est à citer, c'est à cause n'a pas grand de monde qui est passionné about sport, qui envie de voir. Tout le monde, c'est beaucoup, imagine si son pour moi. Imagine si son peut-être son école, son famille, everything. Pas imagine la communauté. Pourquoi tout le monde est bizarre de réaliser pour dire que c'est sa communauté, sa l'endroit, quand on vit là-dedans, qui est la communauté, quand on bénéficie de la communauté. Ou besoin de façon pour vivre back in any way. Personne ne pas dit autres donne 100 000 euros, pas oui, mon accompagné donne. Mais c'est même un petit quelque chose, donne. Mais il y en a, mais très peu. Il y a beaucoup d'accompagnants qui pas fait des efforts. Ouais. Il dit oui, il donne d'autres quelque chose. C'est là où il garde, où prend l'information. Il donne, comme je m'en pas anglais, il donne peanuts, comme si vous comprenez. Tout ça qui est sponsor, tu as de remercier les autres supports que nous amènent pour nous. Oui, merci. Eh bien oui, ça c'est une bonne nouvelle sport pour aujourd'hui. Merci pour qu'ils nous suivent. Je demande encore demain pour plus d'actualités sportives.